tournoi va opposer Gianni Frulanti à Luc Genius. Il rentrera dans le coin rouge, Gianni Frulanti. On sent que les deux ne veulent pas laisser un centimètre carré de ring à l'adversaire. Et quand on envoie tout. Hein. Alors Luc, il est un peu plus grand, légèrement plus grand. Attention à la tête basse des deux côtés. Gianni sort intelligemment avec un genou. Et ça reste en face.
Les deux côtés, ils ont les bras bien hauts. Ça va éviter de prendre un coup comme ça et où on va se faire toucher bêtement. Fin de la première. Ça boxe de très près. Hein. Belle sortie au niveau de l'abdomen. Alors moi je pensais que lui qui était légèrement moins puissant, mais en fait pas du tout. Hein. Pas du tout. Je pense que c'est kiff-kiff. Hein. Non, ce jeune est surprenant. Il y a des belles combinaisons. Et quelques coups comme ça, un peu fantasques, sortis de nulle part, imprévisibles. Ah, on peut voir le tibia de Luc saigner. Le juge vient de donner un avertissement à chacun des boxeurs pour non-respect des consignes. Un combat de boxe, c'est une partie d'échecs. Voilà, c'est chaque coup est mis pour essayer de trouver une faille. Un coup de genou sauté qui semble avoir touché. Stratégique ce combat, hein. Très, stratégique. Très. Pour moi, c'est des combats, pour moi, c'est des parties d'échecs. Là, on a deux garçons intelligents qui se connaissent, qui se respectent et qui se craignent. Ils savent qu'ils sont susceptibles et capables d'écourter le combat sur un coup. Le Luc Génier, malgré son jeune âge, ne se laisse pas impressionner par Gianni et son palmarès. Alors Gianni il a essayé de placer un high kick et super coup d'œil de Luc hein, qui vient de faucher la jambe d'appui de Gianni. Magnifique deuxième reprise. Alors ça c'est un combat qui au-delà de la puissance et du physique, il y a quand même, quand on arrive dans ce niveau-là, il faut aussi avoir aussi le choix tactique et surtout le bon choix tactique. Allez, on entame la troisième. Un petit front kick qui est passé sur Gianni. Hey, cette jambe arrière là de. Allez. Un Gianni intelligent hein, qui verrouille le combattant. Ne laisse pas s'exprimer. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure.
le tibia de Luc est un peu ouvert, alors un peu ou beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas depuis tout à l'heure ça saigne. Et le médecin demande l'arbitre demande au médecin de venir voir ce qui se passe. Et puis là rentre en compte le cutman pour voir ce qu'il peut faire, s'il peut arrêter ce saignement. On l'avait dit en début de soirée, on a le cutman qui est là pour la santé des boxeurs et pour faire en sorte que ces bobos-là soient soignés en temps voulu. Là, on est d'accord pour dire que les deux veulent marquer, les deux veulent toucher, les deux ne veulent pas laisser le doute. Gianni a touché sur un beau crochet. Je trouve quand même que Gianni, alors l'autre il est précis, hein, mais je pense que Gianni là sur là, il est plus précis que. Il sort un peu mieux son épingle du jeu. Alors le coach de Gianni lui demande de ne pas aller à la guerre, de marquer ses points et de partir. Mais moi, tel qu'on le connaît, on sait que Gianni ne se laisse pas faire, il aime la guerre. Hein. Ah, il a touché sur un middle. Travail très intelligent de Fioranti. Fioranti verrouille. Il n'hésite pas à accrocher pour bloquer son adversaire. Et la droite de Gianni qui trouve régulièrement le chemin. Encore une fois, une petite hémorragie nasale. Gianni qui vient de sortir. Qui vient de sortir des cordes, pas facilement, mais qui a un super coup d'œil, il est sorti au bon moment. Allez, attention, la tête basse comme ça. Encore une fois, le petit crochet de Gianni qui vient toucher le nez de Luc. Et on sent que Luc il fait le forcing. Hein. Oui. Il est en train de faire le forcing. Mais Gianni a pris la mesure de son adversaire. Faire très attention dans ces fins de combat. Voilà, à ce genre de coup. Ah, Gianni, il remise trop bien. Il travaille un petit peu plus, il fait un peu plus d'efforts. Ah, on sent que Luc fait le forcing. Il fait le forcing. On sent qu'il veut vraiment, toucher et toucher durement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il prend des risques. On ne peut pas traiter Gianni de vieux, mais c'est vrai qu'il est un petit peu plus expérimenté que Luc. Et ce soir, pour moi, c'est ce qui va faire la différence, l'expérience. Merci à mon prochain invitation et j'espère vous faire à la prochaine. Merci encore.